Ce magazine vous est offert par Arrêt Coiffure à Moissac, Le Moulin de Joinerie, votre espace bien-être à Brassac, MyWave Prod pour photos et vidéos, BPA pour vos fermetures et menuiseries. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur D+. Dans ce Profession Reporter, j'ai décidé de venir à la rencontre d'une nouvelle arrivante ici sur Moissac et fraîchement installée dans les locaux situés juste à côté de la mairie sur la place Roger Deltil, face à l'abbatiale si vous connaissez. Dans ce plan d'ensemble que je suis en train de vous faire, vous allez mieux situer. Je suis venue voir Béatrice Perger. C'est ça. Et tu es émailleuse d'art. Tout à fait. On s'est croisés il y a quelque temps de ça. On s'est dit, tiens, une nouvelle artisane d'art qui va venir s'installer. Déjà, d'où viens-tu ? Je viens du Poitou, donc vers Niort, Poitiers, si tu situes à peu près. Ouais. Voilà. Dans le nord. Ouais, dans la campagne, voilà, voilà, auprès de la nature en tout cas. Et, voilà. Et du coup, tu es arrivée à Moissac ? Ouais, je suis arrivée à Moissac. Avec mon compagnon, on cherchait un peu un lieu, on voulait changer d'environnement, découvrir un peu un nouveau territoire. Et voilà, l'opportunité de l'Art s'invite à Moissac, qui mettait à disposition des boutiques en fait, et voilà, chose auxquelles j'aurais pas pu accéder. Voilà, cet événement me permettait d'avoir ma boutique, atelier, faire des ateliers d'initiation aussi dans ce lieu. Et, à coût, on va dire, accessible pour moi, ce qui était... Au moins pour la phase de démarrage. Ouais, c'est ça. Pour vous rappeler, il faut savoir que c'est l'association 2MAC qui gère l'Art s'invite à Moissac, avec la troisième année cette année. Elle invite les artisans d'art à venir tous les ans, comment dire, remplir, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais les vitrines vides des centres-villes, entre autres celui de Moissac, en négociant avec les propriétaires des tarifs abordables pour qu'on puisse justement... des personnes comme Béatrice. Si, c'est ça, pardon, je sais plus où j'habite. Ah ouais, qui puisse s'installer et ce petit coup de main dont tu profites en ce moment. Tout à fait. Donc tu es bien installée ici, tu as pris possession du local. C'est ça, je suis arrivée un peu avant que l'événement commence, puisque normalement ça commence là en juillet. Mardi d'ailleurs, c'est l'inauguration. Donc je suis arrivée en juin, j'ai fait le vernissage de la boutique le 15, voilà. Le temps de meubler un petit peu, agencer, boucher les trous, voilà, prendre ses marques, et puis c'était parti le 15, voilà. Émailleuse d'art, c'est pas un métier commun, ouais. C'est pas de l'artisanat facile. Comment c'est venu ce noble métier ? Ouais, j'aimais beaucoup peindre. Je faisais de la photo aussi, non, mais je faisais de la musique. Mais c'est arrivé par hasard, parce qu'à l'époque où je découvre l'émail, je ne connais pas du tout l'émail sur cuivre. En fait, vers où j'habitais à Saint-Pardoux exactement, dans les Deux-Sèvres, près de Parthenay. Et à Parthenay habitait un très grand émailleur qui faisait surtout de la technique... du cloisonné, du champ levé, voilà, ces deux techniques particulières. Il faisait des tableaux surtout. Et il avait sa galerie et un atelier aussi, voilà, dans sa maison. Et par hasard, voilà, je passe devant et je trouve ça magnifique. Voilà, il y avait ces lumières, ces couleurs, les motifs et tout. Enfin, le tout, en fait, j'ai trouvé ça trop beau, cette matière. Je lui demande quel est ce processus, comment ça se passe et tout. Et puis... ben, je lui ai demandé si je pouvais essayer et il m'a dit oui. Voilà. C'est cool. Il m'a dit oui, donc pendant deux jours, me voilà partie à faire un petit tableau 5x5, un cloisonné, donc une technique particulière que je ne vous montrerai pas dans ce reportage parce que je fais surtout de l'émail peint. Mais du coup, j'ai appris les bases comme ça en deux jours. Voilà. En quoi consiste ce métier justement ? Comment on fabrique des pièces ? En fait, la base de l'émail sur métal,
Pour moi, c'est le cuivre. Voilà, j'utilise surtout le cuivre. On peut utiliser l'argent, on peut utiliser l'or, hein. On peut utiliser le laiton, certains alliages de bronze aussi, etc. Donc c'est le cuivre que je travaille, que je découpe, ou j'achète parfois prédécoupé pour des formes plus simples, que je nettoie et que j'émaille. Alors je l'émaille avec de la poudre, hein, vous verrez, soit sec, soit humide, que j'applique avec des spatules, une petite plume, et j'applique donc cet émail sur ma plaque. Cet émail ensuite sera séché et passé au four à 800 degrés à peu près, suivant les couleurs. La température du four doit être en fonction de la couleur, pardon. Oui, pour que la couleur se saisisse. C'est ça. Et on le voit, quand on a fait les essais là tout à l'heure, on le voit que justement il y a cette transformation de la couleur qui se fait quasi instantanément. C'est très rapide. Dès que l'émail sort de... Ouais. Et on a de belles surprises avec de belles nuances. Vous le verrez en venant visiter la boutique à Béatrice. Vous verrez qu'il y a tout un tas de nuances de rouge, d'orange, de toutes les couleurs d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. En fait, ça se révèle. C'est pas comme la terre où il faut cuire des heures. Là, le cuivre n'est pas à cuire, hein, finalement. C'est vraiment la petite couche d'émail que j'applique dessus qu'il faut cuire. Donc, je reste devant mon four vraiment à surveiller la cuisson. Il faut retirer la pièce vraiment à temps pour ne pas trop cuire. Enfin, comme je disais, en fonction des couleurs. Voilà. Oui, parce que là, tu fais de la création, mais tu peux faire aussi des objets sur commande, ouais, avec une couleur spécifique. J'ai vu que tu avais... un nuancier de couleurs sur lesquelles les gens peuvent dire « moi, je préférerais du vert, du jaune, etc. » Et effectivement, suivant le temps de cuisson, ben, tu peux te chier la couleur, il n'y a pas d'autre mot. Tu peux bien refaire de suite. Fois, hein, ouais. Donc, c'est quand même un travail qui est délicat dans le côté instantané. Il ne faut pas louper le temps de cuisson. C'est ça. Voir comme il faut être devant, il ne faut pas que le téléphone sonne. Ou qu'il y ait quelqu'un qui rentre en même temps. Ouais. J'essaie de cuire le matin tôt, de toute façon à la fraîche. Ou le soir, tard, quand la pièce s'est rafraîchie. Ouais. Quand on rentre dans la boutique, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets, bien sûr des objets que l'on peut porter, boucles d'oreilles, bracelets, pendentifs, etc. Il n'y a pas que ça. Ouais, il y a les tableaux et les coupelles. Je fais aussi des petites boîtes et je travaille aussi après à la demande pour des objets. Ici à Moissac, tu viens d'arriver. Mais on en a parlé tout à l'heure et tu m'as dit qu'il y avait déjà une petite idée qui était en partenariat, on va dire, avec Moissac et ce que Moissac représente. Ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, en fait, ce que je te disais, c'est moi, je suis arrivée à Moissac, mais c'est pas non plus complètement par hasard. Il y a ce cloître, voilà, qui pour moi, arriver dans un lieu comme ça, en fait, je pouvais pas rester sans m'imprégner, sans travailler en relation avec le lieu où j'étais. Donc pour moi, travailler en lien avec les sculptures, des chapiteaux, du cloître par exemple, c'était important. Donc, je suis en train de mûrir ce projet et puis bientôt j'espère qu'il y aura des pièces qui sortiront en lien. Bon, on a remarqué qu'il y avait déjà quelques petites bagues, non, petits, ou je sais pas comment on pourrait dire, des petites broches. Des petites broches avec la coquille qui représente bien sûr le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Oui, ça m'était demandé beaucoup. L'idée, c'était de faire un petit rappel qu'on puisse mettre un peu partout. C'est sympa, on peut se le mettre sur le sac ou la veste. Puis ça sera décliné. Là, c'est il y a deux couleurs pour le moment, mais après, je le ferai en le déclinant. Ouais. Quelque chose d'important et que j'ai remarqué ici quand on rentre dans sa boutique, c'est que, bien évidemment, il y a beaucoup d'accessoires féminins, on va dire, comme les boucles d'oreilles, les bagues, etc. Mais pas que, messieurs, puisque Béatrice fait également, pour les mecs, pas mal de bijoux. Et c'est très tendance, non? Ouais, en fait, on m'a demandé une commande éclair de faire un bracelet. Voilà. Donc. Et ça faisait longtemps que je voulais faire des bijoux pour hommes et tout, donc ça a été un peu le challenge pour moi. Une plaque émaillée, bien sûr, cordon en cuir, petites perles et tout, et ça a beaucoup plu. Donc pour les hommes, il y a des choses en cours, même des bagues. Je faisais quelques bagues un peu chevalières qui allaient bien pour les hommes,
Mais voilà, l'idée du bracelet s'ajoute. Et puis, bienvenue pour les commandes aussi, parce que moi, j'adore voilà, ce genre de défis. À Moissac, Béatrice est installée depuis peu. Mais il faut savoir qu'il y a des artisans d'art qui sont installés déjà dans la rue des Arts, même si petit à petit, c'est difficile de maintenir comment dire, la pérennité de son activité pour beaucoup. As-tu eu l'occasion de discuter déjà avec eux ou pas encore? Parce que comme tu viens d'arriver... Ouais, en fait, ça fait peu de temps que je suis arrivée. J'ai essayé d'ouvrir un maximum la boutique. Du coup, voilà, j'ai rencontré quelques personnes. Reste quand même des personnes, voilà, j'essaie à voir. Ça va venir. Bientôt. Ça va venir. Ouais, ouais, c'est ça. Alors tu verras, tu as la mosaïste, tu as des peintres, verriers, souffleurs de verre que tu as entendu parler, ouais. Etc. Donc c'est un petit réseau. Il y a pas mal d'artisans d'art ici dans le secteur et c'est vrai que on a la chance et le bonheur de pouvoir accueillir. Et on va le répéter encore pendant tout l'été. Je crois que vous êtes plus de 40 artisans d'art qui allaient passer ici pendant tout l'été. Quoi. Ouais, on a le petit fascicule juste là. Ouais. Donc si vous voulez avoir des renseignements, vous verrez, il y a des petits points d'interrogation comme ça devant des boutiques. Vous y arrêterez et n'hésitez pas à rentrer, à découvrir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, que les choses soient claires. Vous allez déjà se renseigner, découvrir, poser quelques questions quand elle pourra y répondre à Béatrice. Parce que quand on fait ce métier-là, on le fait bien sûr pour gagner sa vie, mais on le fait aussi par passion et pour transmettre cette passion aux personnes qui viennent. Ouais, surtout un métier si peu connu, voilà, que l'émail sur cuivre. C'est vrai que moi, 90% des personnes qui rentrent dans la boutique ne connaissent pas l'émail sur cuivre. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est vrai que quand on le découvre, comme je l'ai découvert tout à l'heure, on n'a pas du tout ce savoir-faire qui se fait en quelques heures de travail, on va dire, quand on a quelque chose dans la tête et déjà établi avec le croquis, etc. Ouais. Mais qui demande bien sûr de la réflexion, du faire et du refaire. Ça, j'ai vu qu'on peut effacer, recommencer. Ouais, c'est ça. C'est pas... Faut être dispo. Ouais, ah, ça peut prendre du temps. Donc voilà, donc du coup, si jamais vous avez besoin, c'est Lars Invite à Moissac et avec ici Béatrice qui vous accueille pour vous parler d'émail, émail sur cuivre notamment. Donc n'hésitez pas à pousser les boutiques. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci bien de nous avoir reçus. Ouais, c'est gentil d'être venu. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus et que ça vous donne envie de pousser la porte. Parce que même, elle est souvent ouverte, mais même si elle est fermée. Ouais, c'est ça, c'est ouvert tous les jours. Lundi matin, mardi. Lundi matin, c'est de 9h à 12h30. Et mardi, enfin, du mardi au dimanche, 12h30, 15h, 19h. Voilà. D'accord. Mm. Et tu m'as dit même que si jamais le soir il y a un peu de monde. Tu peux même ouvrir puisque tu n'habites pas très loin. Oui, c'est ça. L'idée, voilà, c'est que ça circule. Voilà, parce qu'après, il y a des concerts de prévus ici devant. Ça va bouger pendant l'été, donc bienvenue à Moissac et bienvenue à tous ceux qui veulent pousser la porte. C'est ça, bienvenue. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un professionnel reporter. Bye bye à tous.